On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence, nous refaire un monde sans danger. Comme un couteau reprogrammé, comme un monde sans danger, comme un couteau reprogrammé, comme un monde sans danger. T'as vu, maman? Oui, ne t'éloigne pas trop, ma chérie. Bravo, mon ange. Quoi, tu fais toujours des cauchemars la nuit? Bah oui, ça m'arrive encore de temps en temps. Ce sont toujours les mêmes. Mais t'inquiète pas, Jérémy, je suis habituée. Hein? Non, c'est pas pour tes cauchemars que je m'inquiète. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de problème. Yumi passe les fêtes chez elle et moi je reste au collège pour surveiller Xana. Tu peux partir tranquille. Attends, Xana, je m'en fiche. J'ai juste pas envie de te laisser toute seule. Je vais dire à mon père que je reste et que... Pas question! Il faut que vous passiez les fêtes en famille, c'est important. Pour moi, c'est... C'est pas pareil. Pendant les fêtes, mon père est comme un ours assis sur une planche à clous. Du coup, ma mère est hystérique. Je préférerais rester au collège. Moi, c'est pareil. Je ne supporte plus mes sœurs. L'année dernière, pour me faire une farce, elles m'ont enfermé toute une nuit dans les toilettes. Quoi? Mais elles sont pires que mon petit frère. Je croyais qu'elles étaient plus vieilles que toi. Bah ouais, la plus jeune a à peu près ton âge, tu vois le problème? Tiens, Ulrich, c'est pas ton carrosse, là-bas? Super, que le spectacle commence. Bon, bah, salut, les amis. Bon, ben, prends des forces. À plus. Ça ne va pas être si long. Profites-en bien. Et voilà mon père. Aelita, est-ce que tu es sûre que... Vas-y vite et t'inquiète pas, je ne resterai pas seule, Kiwi me tiendra compagnie. Bon, alors à bientôt. Ah, à propos de Kiwi, surtout qu'il ne mange pas de fromage, ça lui donne des gaz. Et ça, c'est pire que tes champs de force. Compris. Salut, Odd. Bye. Je vois que tu traînes encore avec cette bande de bons à rien. Je vois que t'as encore reçu l'Oscar de la bonne humeur. Ulrich! Ils ont l'air très gentils, tes amis. Oui, ils sont sympas. C'est mes potes. Mmh. La jeune fille avec les cheveux roses, c'est bien Aelita, celle dont tu m'as déjà parlé. Elle est très jolie. On dirait qu'elle tient beaucoup à toi. Bon, bah moi j'y vais. Je dois aider ma mère à nettoyer la maison. Ok, à plus tard. Aelita, t'es sûre que tu ne veux pas passer les fêtes avec nous? Je peux prévenir mes parents que... Non, je ne veux pas déranger. Et puis, j'ai besoin de rester seule en ce moment. Bon. Si t'as un souci, t'hésite pas, hein. Promis. Je n'hésiterai pas à t'appeler. Thank you.
tu ne dis rien? Tu as des soucis? Hein? Non, ce n'est rien. Je pensais à autre chose. Ah. Comme toujours, tu me déçois énormément, Ulrich. Après la conversation qu'on a eue le mois dernier, je pensais que tu ferais un effort. Au lieu de ça, tes résultats sont toujours aussi mauvais. Et ne parlons pas de tes absences répétées et injustifiées. Et ça te fait rire, en plus. Je t'attends sur Lyoko. Je te croyais dans le réseau. Oh, zut, Bogué. Yumi, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Deux secondes, j'appelle une copine. Tu l'appelleras après. D'abord, tu m'aides, parce que sinon, avec tout ce travail, je n'aurai jamais fini pour la fête. Mais maman, c'est dans une semaine. Précisément. Et comme ce n'est pas ton père qui m'aidera, il reste peu de temps. Hein? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Nous avons peu de temps. Peu de temps, pourquoi? Voici les coordonnées. À tout de suite, mon trésor. À tout de suite, mon trésor. Aelita, papa. On a tant de choses à se raconter. Et on a si peu de temps. Je te croyais perdue dans le réseau. Perdue? Non. Quand Xana a détruit Lyoko, j'ai dû m'enfuir. J'ai des informations à te donner. Mais avant, j'avais très envie de te serrer dans mes bras. Mais comment? J'ai été obligée de créer cette bulle virtuelle pour pouvoir le faire. C'est merveilleux. Tout est comme dans mes souvenirs. Ouais. Cette bulle permet beaucoup de choses, ma chérie. Comme passer une soirée ensemble, par exemple. Allez, Aelita, réponds. Qu'est-ce que tu fais? L'affiche le camp. T'appelles Ulrich? De quoi je me mêle? Est-ce que je te parle de Milly Solovyev, moi? Allô, Jérémy? Depuis combien de temps? Elle n'a peut-être plus de batterie à son téléphone. Bon, tu peux aller voir, s'il te plaît? Ok, tiens-moi au courant. Papa, il faudrait que... j'ai oublié... mon ordinateur portable dans ma chambre et je... Ok, j'ai compris. Il ne s'appellerait pas Aelita, ton ordinateur? Hein? Ben allons, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai été amoureux. Ah oui? De qui? Eh bien, de ta mère. Ah, ça n'avance toujours pas. Ne t'énerve pas, mon chéri, ça ne nous fera pas avancer plus vite. Oui, Jérémy? T'es sûr? Ouais, t'as raison, c'est pas normal. Ok, je le préviens et on se rejoint où tu sais. De toute façon, ce sera toujours mieux qu'ici. Ulrich, où vas-tu? Me dégourdir les jambes et m'aérer la tête. Et puis, à mon avis, j'irai plus vite à pied. Alors, ciao. Odd, Aelita est injoignable, on se retrouve à l'usine. Ok, j'arrive, le temps de prévenir mes parents.
Bon alors, ça vient? 2 secondes. Allô, Adèle? C'est Aude. Quoi? Oh, excuse-moi, Pauline, dis-moi, est-ce que tu peux demander à Elisabeth de dire à Marie de prévenir Louise qu'elle doit annoncer à papa et maman que j'ai raté l'avion? Hein? Comment ça, fais-le toi-même? Allô? Bon, changement de programme. Oh la famille, je vous jure. Aelita, je t'attends sur Lyoko. Non, tant que Xana ne sera pas vaincue, je ne pourrai pas me rematérialiser. Par contre, vous avez la possibilité de libérer votre ami. Comment s'appelle-t-il? William. C'est cela. Je vais communiquer un programme à Jérémy par l'intermédiaire du supercalculateur. Où en êtes-vous dans votre lutte contre Xana? On le traque dans le réseau grâce à notre sous-marin virtuel, le Skidbladnir. Skidbladnir? Quel drôle de nom. Tu connais ce nom, voyons. C'est tiré d'une légende viking. Tu me la lisais pour m'endormir quand j'étais petite. Ah oui, bien sûr, je me souviens, le Skidbladnir, évidemment. Merci, papa. Yumi? Vite, Jérémy, Aelita s'est virtualisée toute seule. Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Son père lui a demandé. Quelque chose ne va pas, mon ange? Pourquoi m'as-tu fait venir sur Lyoko, papa? J'avais envie de te voir, depuis tout ce temps. C'est risqué. Xana peut attaquer à tout moment. Pas tant que je suis avec toi. Tu sais, quand je dis que cette maison est comme dans mes souvenirs, je le pense réellement. Je suis content que ça te plaise. Je voulais que tu te sentes comme chez toi, comme chez nous. C'est vrai, tout y est, absolument tout. Il manque juste un détail. Ah oui? Lequel? Maman. Ta mère? Mais elle a disparu, tu le sais bien. Oui. Mais mon vœu le plus cher aurait été de la revoir. Et ça, tu le sais, tu l'as toujours su. Et comme tu es perfectionniste, tu n'aurais pas hésité à la recréer dans ta bulle virtuelle. Si tu avais vraiment été mon père. Aelita. N'approche pas, Xana. Bonjour, Aelita. J'ai un mauvais pressentiment. Et si c'était vraiment Hopper qui était entré en contact avec elle? Xana nous a déjà fait le coup. Je ne crois pas qu'Hopper ferait prendre autant de risques à sa fille. Ouais, tu as 5 de 13 ans. Aelita se trouve sur le territoire de la banquise. Hein? Dans une bulle virtuelle? Quoi? Une reproduction du monde réel, un canal fantôme. Aelita est tombée dans un piège. Prépare-toi, tu plonges immédiatement. Ça ne sert à rien de te débattre, Aelita, je te tiens. C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu attends? Rattrape-la. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Jérémy, je ne suis pas dans la bulle virtuelle. Je sais, impossible de te matérialiser directement dans la bulle. Il faudra y pénétrer par tes propres moyens. Et comment je fais? Aucune idée. À mon avis, Xana doit sélectionner ses invités. Ah, bien vu! Il a même prévu des gorilles à l'entrée. Tu viens de perdre 20 points de vie. Vous tombez bien, vous deux. Filez directement dans la salle des scanners. Yumi et Aelita sont en difficulté. Ok, mais tu nous fais un résumé? Oh, plus tard. Pour l'instant, vous plongez. C'est bien. Virtualisation.
parcours, mais ça fait du bien de rentrer. Où est Aelita? Quelque part dans cette espèce de bulle. Faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Flèche laser! Rends-toi, Aelita! D'accord, William, tu as gagné. Tu es perdu de toute façon. Pas encore. Hein? La bulle virtuelle a disparu. Allez aider Aelita, vite. Ok, Einstein, tu nous programmes nos taxis? Ils arrivent. Un bloc. C'était quoi, Jérémy? Un bloc. Faut débloquer la situation! Faut surtout essayer de récupérer Aelita! C'est parti! Attention, une manta volante! Tu veux partir? Très bien! À l'aide! Aelita, non! Elle est trop loin, Jérémy. Rematérialise-la! Mais c'est pas vrai! De déposer quelque chose. Oui, c'est Aelita. Occupez-vous de ce bloc, bon sang! On fait ce qu'on peut, Einstein!
on peut dire que tu nous as fait une belle peur, princesse. Allez, viens, j'en connais un qui va être content de te voir là-haut. Ouais, et j'espère qu'il va nous faire un résumé, parce que moi, j'ai rien pigé. C'est pourtant évident. Oh, ça va, hein. Lorsque Lyoko a été détruit, Hopper n'a pas été dispersé dans le réseau. Il s'est enfui. Attends, tu veux dire qu'il a fait exprès de disparaître? Exactement, pour échapper à Xana. C'est pour ça que notre vieil ennemi cherche à emmener Aelita dans la mer numérique depuis tout ce temps. Il sait que c'est la seule chose qui fera sortir Franz Hopper de sa tanière. Ouais, pour pouvoir le détruire. Tant que mon père est vivant, il représente encore un risque pour Xana. Et ça, Xana le sait. Bon, eh bien, en attendant de zigouiller Xana une bonne fois pour toutes, si on s'offrait nos cadeaux. On avait dit qu'on ferait ça à notre retour. Je sais. Tiens, Einstein, c'est pour toi. Comme Xana nous a fait rentrer plus tôt que prévu, autant faire ça maintenant. Super, Odd. Merci. Mais ça va me servir à quoi? Bah, à rien. Mais c'est ça qui est fun, non? Vous ouvrez pas vos cadeaux? Bah non, au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. Merci, Jérémy. Et c'est pas fini, Aelita. Ce soir, tu repars avec moi. Mes parents t'invitent pour les fêtes. Je ne veux pas les déranger. Tu ne les dérangeras pas, c'est eux qui ont insisté. Je te laisserai ma chambre et je dormirai dans le salon. Le divan est très confortable. Et Xana? Xana, il est comme nous, il a besoin de vacances. À quoi tu penses? À mon père. Quand il m'a sauvée, même sous une forme numérique, j'ai senti sa présence. Comme s'il me serrait dans ses bras.